Bonjour à tous, c'est Mona, vous êtes sur Summoners.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une Summon Session aujourd'hui pour Xal. Alors Xal, on va aller jeter un petit coup d'œil à ton compte. Tu m'as dit que tu étais free-to-play, que tu jouais par contre depuis longtemps, hein, quasiment depuis le début. Bah écoute, on va aller regarder tout ça. Alors, déjà, qu'est-ce que ça donne en arène? Très bien, tu es conquérant 1 en ce moment, et tu finis conquérant 2. Bah écoute, c'est pas mal du tout, on voit que tu as l'air de faire pas mal tes combats quand même, hein. 230 combats par semaine la semaine dernière, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que ça donne du niveau, au niveau de ta défense? Ok, t'es en troll def pour l'instant. Véromos, Verdé, Camille. Bah, j'imagine que du coup, c'est une Camille plutôt knucker. On va aller regarder tout ça, mais en tout cas, Camille, c'est un très bon nat 5 en tout cas. Félicitations. Alors, ces petits monstres, qu'est-ce que ça nous donne? Hop, on va plutôt mettre comme ça, c'est plus simple. Ah oui, t'as quand même... Ouh oui, t'as des belles choses. T'as des belles choses. Alors, un Sigma, qui est très bien. Un petit peu lent, mais en tout cas, 86% de taux de critique, ça c'est pas mal. Ça permet, en Dragon B10, d'avoir 100% de chance de critique. Avec l'avantage élémentaire, c'est parfait. Ça nous donne quoi, ça, au niveau des runes? Enrage, rage lame, ok. Attaque, dégâts, des critiques, attaque. C'est vraiment bien. C'est vrai que pour les knuckers, il y a, je pense, deux grandes façons de faire. Les knuckers mono-cibles, j'ai tendance à les préférer en violent. Pourquoi? Parce que, ok, ils vont focus une cible, et du coup, ils seront très efficaces s'ils rejouent. Les knuckers multi-cibles ou AOE, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à les préférer en rage, parce que, du coup, ben, je trouve en rage ou en fatal, hein, on est d'accord. Le but, c'est qu'il fasse le maximum de dommages sur le maximum de cibles. Mais voilà, moi, mon Sigma, il est en violent. Vous voyez, c'est une règle, mais que j'applique pas forcément, mais que je trouve assez intéressante. Et là, en tout cas, tu as un très beau Sigma. Un petit Chiwu, qui n'est pas runé. Ok. Un refroidissement, que tu utilises peut-être en Dragon B10, je ne sais pas. Attaque, point de vie, attaque. Ok, alors peut-être en nécro, alors puisqu'il est en violent revenge, ça semble être un runage de nécro, pourquoi pas, je ne sais pas. Un Théomars, il est comment? Un petit peu lent, malheureusement un petit peu lent, pas assez d'attaque. Ah, il y a un petit peu de boulot au niveau du runage. Vitesse, dégâts critiques, attaque, ok, le runage il est bon, violent revenge en plus, je trouve que c'est très bien sur Théomars. 67 de taux de critique, ça paraît peu, mais on sait que mis en leader, 61% ça suffit à Théomars pour avoir... En fait, 100% de taux de critique. Effectivement, là, il manquerait juste un petit peu de puissance d'attaque, un peu de vitesse, et il serait très bien. Une Camille qui est... Ah, qui est très très bien. Une Camille hybride, elle est vraiment très jolie, ta Camille, parce qu'on voit qu'elle a à la fois des points de vie, à la fois un petit peu d'attaque, hein, on est gentiment à 1500, c'est bien correct. Elle est à la fois rapide, et elle a un bon taux de critique, dégâts des critiques. Elle est vraiment très bien, j'adore ta Camille. Violent Lame, ok. Vitesse, dégâts des critiques, attaque. Tu dois avoir des belles subs de points de vie, du coup. 16, 25, ah ouais, c'est ça, hein. 15, 18, ah ouais, ouais, très joli. Très, très, très joli. Voilà, une Camille hybride qui a, beaucoup de points de vie grâce à des superbes subs sur des runes. C'est vraiment une très, très, très belle Camille, hein. Une petite Praa, 78 de vitesse, c'est peut-être juste un petit peu pas assez. Les points de vie aussi, par contre, la précision et le taux de critique sont très bien. Tu as vraiment des monstres très très bien runés. Hein. Dispair Revenge, c'est aussi le runage que je préfère. Vitesse, point de vie, c'est ça. C'est bien, c'est très très bien. Un Arnold, hein. un bon vieux Arnold classique. Violent Energy. Très bien aussi. Il manque un petit peu de vitesse aussi, peut-être ton Verdé, mais en tout cas, c'est le bon runage. Il n'y a pas de problème. On voit que... T'as beau être un free-to-play, tu joues depuis longtemps, effectivement, et t'as bien compris les runages. Hein. Tes runages sont vraiment bons. Une Chloé rapide, pas trop de points de vie, par contre. Hein. Vitesse, point de vie. Ouais, pour dire qu'elle a deux runes, point de vie, c'est pas beaucoup. Hein. Peut-être pas terrible au niveau des subs, alors. Un Barretta, bon, bah d'accord, ça, c'est du classique. Un Tésarion un petit peu lent aussi. Hein. En full attaque. Ah, attaque, point de vie, d'accord. Ah, ça aussi, c'est un peu lent, hein. Colline, plutôt vitesse, point de vie, hein. Faut quand même un peu de vitesse. Ton rep, un petit Lucien,
Que voilà, 92% de taux de critique, 180 de dégâts des critiques, c'est pas mal. 2300 d'attaque, c'est bien, effectivement. En rage lame, c'est pas mal du tout. Une AK-6, une Shannon. Ok, Yen, Harangue, Chazune. Chazune est bien. Bien. Au niveau des points de vie, ça va. La vitesse, ça va. On voudra toujours plus, hein, de toute façon. Et la résistance, par contre, c'est très bien. Violent Energy, vitesse, point de vie. Ok. Bah c'est très bien, un Baladéon qui est correct, qui a beaucoup de points de vie, hein. Ça bravo, félicitations. Pour dire qu'il a une rune vitesse, il est pas mal au niveau des points de vie, hein. T'as des belles subs, je pense. Alors, ah voilà, 35%, effectivement, ça aide. C'est pas mal, un Veromos en Violent Focus. Rapide, précis, avec un peu de points de vie. Là, par contre, on aurait peut-être aimé un petit peu plus de points de vie, mais en tout cas, ouais, ils sont bien. Tes monstres, ils sont bien runés. C'est super correct. Écoute, Xal, c'est vraiment, vraiment. Oh là là, mais t'as. Ok, une petite Hathor. Ah, Kamamir, donc c'est bon. T'as tous les Ifrit. Bravo. Très joli compte, hein. Franchement, très, très, très joli compte. Les deux petites succubes Light et Dark. Vraiment très sympathique. Une petite Delphoi, là. Bravo, bah écoute, félicitations. On va aller tout de suite. Ah bah tiens, tu nous as laissé le wish, ça c'est bien gentil. Voyons voir ce qu'on arrive à choper. 10 000 de mana ou 15 d'énergie? Allez, c'est parti, la roue tourne. Ah, 10 000 de mana. Voilà. C'était sûr. Bon, allez, c'est pas trop grave. Tu m'as dit que tu voulais que j'invoque tout. Tout, 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 tout. Les pierres, les vélins, tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux légendaires. Très bien. 5 Light and Dark. 106 mystiques. Et 670 invocations exclusives. Et bah écoute, on va commencer par ça. Allez, on commence par les invocations exclusives. Allons-y. Un petit perna, hein, à tout moment, ça nous ferait bien plaisir. Alors, non. Une Rina. N'empêche que Rina, honnêtement... Bah, comme vous le savez, avec les défenses tall, c'est revenu, hein, c'est revenu très très à la mode. On en trouve assez régulièrement le dimanche soir en rush. Bah, faut dire que c'est quand même un très 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 bon tank, hein. Ça tank bien, ça tank un bon moment, donc du coup, ça embête un petit peu toutes les speed teams. Et elles ont, comme ça, du coup, tendance à nous éviter. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je crois que malheureusement... Il nous reste 5 à... Ah, enfin des étincelles. J'ai eu peur qu'on n'en ait pas. Oh, yes! Ouhouhouhou! Etna! Mais c'est magnifique! Et bah voilà, voilà. Oh, excellent! Etna sur les invocations exclusives. Bah voilà. Écoute, j'espère que ça te fait plaisir. J'ai vu que t'avais Beth. Mais en tout cas, il me semble pas avoir vu d'Etna. Hein. Faut que j'aille vérifier, faut que j'aille vérifier. J'ai trop le doute. Ah là... Ça, si c'est pas une semaine qui commence bien... Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Il est où ton stockage? Où est le stockage? Me dis pas que tu l'as, hein, me dis pas que tu l'as. Non, il hein, y a Beth, hein, on est d'accord, il y a Beth, mais il n'y a pas Etna. Bon, bah voilà. Bah voilà, écoute. Ouf, j'adore quand une semaine commence comme ça. Une petite Etna pour commencer. C'est pas joli, ça? Allez, on va tout de suite la bloquer. On ne sait jamais. Et le plus drôle, tu sais quoi? C'est que Etna, je l'ai passé. J'ai passé la mienne 6 étoiles aujourd'hui. Tu parles d'une coïncidence. Excellent. Bon bah voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'on continue les pierres? Oui, on continue les pierres. Écoute, on est parti, on est parti. Tu m'as dit de tout invoquer. Voilà quoi. On se dit qu'on va encore avoir de la chance. J'avais dit Perna, mais finalement c'est Etna. Mais tout est encore possible. Hein. Alors là, une summon session qui commence comme ça, moi je ne sais pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. Hein. Plus qu'une. Ah là là, encore des étincelles. Ah. Pas mal. Bon, c'est Emma. La meilleure, c'est Lisa, mais j'ai vu que tu l'avais. Emma, c'est sympathique. Voyons voir. Il me semble bien que t'as Lisa. Ah, voilà, elle est là, t'as Lisa. Ah, en cours. Il y a encore du travail dessus, on va dire. Allez. Eh ben écoute, on va partir sur les vélins mystiques. Hein. De toute façon, maintenant, moi, ça va. Je suis détendu, il n'y a pas de problème. Premières étincelles, 1-5 nats, donc autant te dire que pff, tu pourrais avoir que de la food maintenant, mais alors c'est pas grave du tout quoi, je m'en fiche complètement. La faucheuse feu, Sat,
qui sera hop en Hall of Heroes ce week-end. Mais bon, effectivement, vous vous en fichez puisque je vais poster cette semaine le SD sera fini. Allez, on continue. Ah là là, Etna. Bah écoute, Etna, le problème de tous ces monstres un peu monofocus, c'est que, bah voilà, hein, depuis Théomars est tellement fort en monofocus que du coup, bah ils sont devenus un petit peu moins bons, hein, du coup, malheureusement, ils sont un petit peu derrière, quoi. Mais Etna, ça reste quand même un très bon knocker, elle fait beaucoup de dégâts sur son skill 3. Le breakdev sur le skill 2 AOE, c'est vraiment sympathique aussi. Athénaï, bon, ça par contre, c'est pas terrible. Ça sera peut-être du skill up pour ta Delphoi. Mais, écoute, en attendant, c'est un knocker qui est bien rapide. Donc, si t'as quelques subs vitesse correcte, tu peux te permettre de la mettre en attaque dégâts critique attaque. Et elle reste quand même assez intéressante. Voilà. Parce que le problème d'un knocker monofocus, ça serait que en plus, il soit lent. Alors là, bah, pour le coup, il n'y aurait plus aucune raison de le jouer. Théomars ferait tellement mieux l'affaire que ça serait pas intéressant. Mais elle a l'avantage d'être bien rapide. Allez, on continue. Bon, pour l'instant, c'est pas formidable au niveau des vélins, hein. On va dire que on a un peu grillé notre chance sur les pierres. Ah, petit Emos. Fusion ou intéressant en TOA hard, hein. Mais bon. Il n'y a plus d'étincelles là, c'est fini quoi. On a éteint les étincelles pour tout le reste de la summon session. Allez, petit effort là quand même. Comme tout us. Allons-y quoi. Loup-garou, non, non. On arrive à une vingtaine de vélins, une trentaine de vélins déjà plutôt. Et pour l'instant, c'est pas formidable, hein. Sur tes 100 vélins, on espérait quand même. Ah bah voilà, une dizaine de 4 étoiles quand même. Ok, encore un agent Neostone, c'est la vent Olivia qui est pas vraiment terrible, hein. C'est pas grave, encore une fois, on a vu que t'avais Lisa à monter, et que éventuellement plus tard, peut-être Emma. Mais en tout cas, Lisa, il faut que tu la montes, hein. Lisa, elle est vraiment tellement forte, en raid. Alors, oui, il me semble que tu as fait de la place, c'est très bien. On va te stocker un maximum de choses et continuer cette summon qui a quand même, il faut le dire, plutôt bien commencé. Hop, voilà. Tchac, 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 tchac. Et voilà. Ah, je fais de la place, hein. Je vais juste garder les 4 étoiles. Hop, et voilà. On est reparti. Bon, Xal, on en a à combien? 75 vélins. Bon, voilà, hein. Sur un tas de vélins comme ça, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose d'intéressant. On est reparti. Un petit arc d'eau. Non, 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 non. On veut des choses sympathiques. On veut des étincelles et un petit mav. Et je suis en train de me demander si j'en avais vu un. Je ne crois pas. Je crois pas en avoir vu un sur ton compte. Et bah écoute, mav. Comme tu le sais, hein, et comme tout le monde le sait maintenant, ce pingouin avant, il est très très bon, il est vraiment très intéressant pour la TOA. Et il faut le monter, quoi. Il n'y a pas de raison de se priver, c'est un 3 étoiles. Ouh, yes! Oh, mais cette summon session, elle est de plus en plus folle. Galion, et ben voilà, après un super bon knocker, un super bon support. Galion, bah, il y a des gens qui le cherchent depuis longtemps, hein, petite dédicace à Ticaf, courage. Bah voilà. Pour toi, c'est cadeau. Je crois pas en avoir vu un. On est... Ah si, 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 tu l'avais déjà. Tu l'avais déjà. Eh ben écoute, au pire, ça fera du skill up parce que le tien, il n'est pas du tout skill up, hein. Ouh là là, pour le coup. Eh ben écoute, c'est très bien. Tant pis, il finira en skill up et c'est dommage. Mais tu l'avais déjà. Allez, on continue. C'est parti. Ça reste toujours de toute façon un très très bon monstre, hein. C'est un monstre qui est vraiment clé. À plein d'endroits, quoi. Il est très fort en arène, il est très fort en géant, en dragon. Il va vraiment. Ouais, il va être jouable tellement d'endroits. C'est vraiment un monstre très important. Ok, on est reparti. Allez, allez, les étincelles, faut pas mollir, hein. On vous attend. Non, 62 vélins. Allez, petit effort là. Ouais, ils se disent que ça y est, on a eu. Un 5 étoiles, on a eu Galion, ils peuvent... Allez,
on va fermer le robinet des étincelles. Ça sert plus à rien, il a été servi, Xal. Ah, mais non! 59, vélin, 57. C'est bizarre, hein, sur ces grosses summons où il y a beaucoup de vélins, on a l'impression d'invoquer depuis super longtemps, et puis en fait, on se rend compte qu'il reste encore la moitié des vélins à faire. Non, une petite fée, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une fée là? Xal, il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'autre chose, Xal. Il a quand même les bons 4 nattes, hein, en. Acacia. Tu l'as déjà aussi, on l'a vu, hein. Il a quand même les bons 4 nattes, hein. On a vu qu'il avait Verdée, qu'il avait Chloé, qu'il avait Chazune, qu'il avait Barretta, toutes ces. Bah, voilà, tous ces 4 nattes super importants. Il a Galion, hein, évidemment, bah, ça on l'a bien vu. Donc maintenant, finalement, il invoque pour se faire plaisir, hein. Il invoque pour des 5 nattes, puisque tout le reste, il l'a déjà. Alors, une cinquantaine de vélins encore à faire. Tout est encore possible, hein. Un petit Frankenstein. Je sais pas si t'as monté un cuivre, mais sinon, Bulldozer, il est très très bien, hein. Vous le savez maintenant. Je le répète assez souvent. En combo avec un Randy, ça fait le café. Alors. Non. Toujours pas. Un petit Raok, mais bon, là. Autant dire que. Quoique, hein, tu le sais, Raok, moi j'aime bien. Hein, et je le joue volontiers en nécro. Je le trouve assez intéressant. Il peut même être très marrant en farming sur les SD ou en GVG. Un Vagant Feu. Un petit Arc de Feu. Le Verdemos. Ah, Adrian. Très très bien, Adrian. J'ai pas vu si tu l'avais non plus, mais lui, il est vraiment très très bon pour un 3 étoiles natif. Hein, tu le sais, tu le gardes, tu le mets de côté. Tu le monteras pour faire le nécro. Allez. 37 vélins mystiques, je pense qu'il va falloir qu'on refasse un petit peu de place. On n'aura pas le temps, on n'aura pas la place de tout invoquer avec ce qui nous reste. Et surtout qu'il nous reste des choses sympathiques, hein. Les Light and Dark, comme vous le savez. On aime bien avoir des étincelles sur les Light and Dark. Et puis évidemment, deux légendaires. Alors, toujours pas d'étincelles, ça ne veut pas. Petite momie de vent. Aïe 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 aïe, come to us là. Ils sont un peu. Hein. Un peu radin sur les étincelles, hein. Je suis pas sûr qu'on soit dans les stats. On comptera à la fin, mais honnêtement, si on n'a pas une dizaine de 4 nattes, je m'avouerai spolié. Allez, petit effort là. Voilà, on n'a plus de place. On va aller en faire. Hop, hop, hop. Il est où? Je sais plus. Ah oui, il est là-bas. On va se faire un petit peu de place. Ah, le petit Mav. Ouh, t'as un deuxième Lucian qui traîne là, dis donc. C'est pas mal tout ça. Voilà, tu avais bien prévu de la place, Xal. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, allez, on va finir cette summon. Il nous reste encore quelques vélins. 27, hein, 27, c'est déjà. C'est déjà pas mal. Ah, voilà, un petit skill up pour Adrian. Un petit skill up pour Mav. Bah c'est ça, hein, quand on summon à partir d'un certain niveau, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qu'on. Beaucoup de monstres qu'on a, on a aussi beaucoup de monstres à skill up. Hein, donc. Et non, malheureusement. J'aurais préféré fumer, étant donné que t'as déjà refroidissement, lui n'est pas très très intéressant. Fumer est très bien pour le nécro, refroidissement plutôt pour le dragon. Celui-là, voilà, je n'ai pas vraiment encore trouvé d'utilité. À part finir en skill up lui aussi. Allez, on continue. Une vingtaine des vélins. Hop. Ah, des étincelles. On aime ça. On aime voir des étincelles. Ok, un Trevor. Excellent Trevor. Très très bon. Très sympa en GVG. Bon, à ton niveau en farming, t'en as absolument plus besoin. Hein, faut pas se le cacher. Mais en GVG, il est très très sympa. Hop. Bon, bah c'est très bien parce que ça encore, c'est un bon 4 étoiles que tu n'avais pas. Donc, bah écoute, je crois que cette summon, elle est 200% worse hein, quand même. Allez! Ça va être quelque chose de gros. Je sens que ça a du mal à venir. On sent que ça coince dans le cercle d'invocation. Ça veut pas sortir! Alors, quand vous voulez, hein. Ah, bah voilà, connexion retardée.
Il y a pas mal de soucis de connexion en ce moment, hein. Je pense pas être le seul. Pour l'instant, j'ai été assez épargné, mais là, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Voilà. Hop, allez. On est reparti pour cette semaine. Il reste 17 vélins. À tout moment, un deuxième 5 étoiles. Et cette semaine devient Peggy 18. Voilà, vous le savez, hein, le Peggy 18, c'est pour les semaines où il y a 2 5 nattes. Un 5 nattes, voilà, c'est une bonne semaine. Mais 2 5 nattes, bah voilà. Ça, par contre, ça devient interdit au moins de 18 ans. Allez, 13 vélins, tout est encore possible. Il y a surtout hein, les Light and Dark et les légendaires qui attendent derrière. Ah, encore des étincelles, ça c'est très bien. Et Zibrolta, très très bien pour le Nécro, surtout qu'ils ont été up à la dernière mise à jour. Et du coup, sur son skill 2, le multipétard, il pose encore maintenant des. Il pose en plus des dégâts continus. Très bien, très bien, très bien. Bah écoute, hop, encore un bon 4 nattes. Bah, finalement, hein, cette semaine, elle est quand même vraiment, vraiment bien, quoi. Zibrolta, on t'a eu quoi? On t'a eu Emma. Dans les bons 4 nattes, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Trevor. Et puis, bah, Etna. Elle est à deux doigts d'être Peggy 18, celle-là. Hein. Ouh là là. Hermeda, le serpent-vent, très bon tank, hein, en arène et en GVG. Et aussi en dragon, éventuellement. Ça marche très très bien, ils ont été up dernièrement les serpents et ils sont devenus très 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 intéressants. Hein. C'est des tanks, puisque ce sont des monstres points de vie, qui font des dégâts sur leurs points de vie. Donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup de points de vie et en plus ils font quand même des dégâts. J'aime particulièrement le Dark, hein, Mantura. Et Hermeda est vraiment sympa par contre pour tanker genre les Perna en GVG, ça c'est vraiment génial. Allez, non, ah non, alors Astar, non. Non, Astar, non, par contre, ça, non. Ça, non, 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 ça devrait être interdit, hein, les chevaliers magiques. Ça devrait être interdit, ces choses-là. Allez, dernier vélin mystique. Non, 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 on n'aura pas de chance sur le dernier. Ça aurait été sympa, mais tant pis, on va passer maintenant sur les Light and Dark. 5 Light and Dark, c'est quand même sympa. Hein. C'est, tu nous as quand même régalé aujourd'hui avec une super bonne semaine. 5 Light and Dark, 2 légendaires. Tu nous as gâtés. Allez, on espère franchement des étincelles. Hein. Il y a de très bons nat 3 hein, sur les Light and Dark, donc de toute façon, on ne sera pas déçus. Mais des étincelles, ça peut tout de suite être vraiment génial. Sorcière mystique, bon, c'est pas exceptionnel. Hein. Toujours pas d'étincelles, mais un petit échir par contre. Non plus. Oh non, mais non. Bon, ok, t'as les deux maintenant. Hein. On est content. On veut autre chose, hein, s'il vous plaît, là, c'est plus possible. J'ai vu que t'avais les deux succubes. Ah ok, petite momie light. Bon d'accord. Il nous en reste deux là. Allez, des étincelles comme toi, s'il vous plaît. Non, alors un échir peut-être? Non, un requin light. Ouais, allez, dernier light and dark, à tout moment. Oh non, pas d'étincelles! Bon, ok. Voilà. On ne se sera pas trop régalé sur les Light and Dark, alors j'espère qu'on va bien se rattraper sur les légendaires. Il nous reste deux chances de transformer cette semaine en Peggy 18. Allez, c'est parti. Des étincelles, on s'y attendait. Il n'y a pas de surprise. Bon, Kaz. Kaz, bon bah voilà, il est joli, il est très joli. Ils sont beaux les samouraïs, il n'y a pas à dire. Mais bon, voilà, c'est un très bon Nuker Monofocus. Mais encore une fois, Théomar, c'est tellement mieux. Dernière chance. Allez, Xal, je suis avec toi. Allez, allez. Ah, Rakshasa feu. Roi, elle est très bien. Hein. Elle est très très bien, mais il me semble que tu en as déjà une. Écoute, ça sera du skill up, hein, tant pis. Mais pour quelqu'un qui ne l'aurait pas, ça reste un. Ouais, c'est ça, elle est là. Ça reste très très bon. Hein. Ça reste très très bon, Roi. Écoute, on va faire un petit calcul. Hein. On va peut-être regarder un petit peu ce qu'on a eu. On a eu. Etna, ok, donc ça c'est bien. Par contre, niveau 4 étoiles, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Emma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, mais 2 dans les légendaires, ça nous fait 9. On est juste en dessous de la moyenne. Hein. Bon, on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Hein. Etna, Trevor, Zibrolta et... Qu'est-ce que t'as eu d'autre? Je croyais qu'on avait d'autres des...
Et Emma, ok. Elle est bonne. Elle est très très bonne cette semaine. Eh bah écoute, Xal, ça m'a fait très plaisir. Encore une fois, je suis vraiment très content, hein. Bah voilà, quoi, choper un 5 nat, ça fait toujours plaisir. plaisir d'offrir, joie de recevoir. On est comme ça ici, hein. Bah écoute, cette semaine est maintenant terminée. N'hésitez pas, hein, si elle vous a plu, un petit pouce bleu, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Moi, je vous dis coucou et à plus tard. Ciao!